Hey, salut à tous! Ouais, vous avez vu qu'à chaque fois j'ai toujours le même pull. Bon, c'est juste parce que j'ai tourné les trois vidéos en même temps. Donc écoutez, là ça va être simple. Je vais vous montrer. Là, on a fait un swap de Noël avec mes brothers. Voilà ce que vous devez connaître si vous regardez Instagram et tout machin. Voilà, bah, le synecdote et le ciné du projo sur Instagram. Le synecdote, c'est sur YouTube. Allez checker sa chaîne, même s'il en a plus d'abonnés que moi, ce Choupi. Mais allez checker, il fait de la quali. Et mon pote, le ciné du projo sur Instagram. Pareil, il fait de la quali, allez checker directement, c'est du lourd. Pour vous expliquer, on fait des swaps des fois d'Halloween, de Noël, des fois comme ça. Ouais, c'est cool, on kiffe la life, on se fait des petites wishlists avec le petit budget. Et là, ce coup-ci, pour le swap de Noël, on a voulu se faire un truc spécial, série télévisée. Donc, on s'est chacun fait un truc. Et puis, voilà, je vais vous montrer ce que j'ai eu. Et comme vous avez vu depuis, bah là, c'est ma troisième vidéo avec ce décor-là, nouveau décor, parce qu'en fait, j'ai tout enlevé, j'ai tout épuré. Et après, je vous fais un petit tour, si vous voulez, de comment j'ai fait vite fait mes étages à thème et tout machin. On fera ça sur allez, 4-5 minutes. Manière de vous faire kiffer, de vous montrer un peu mon nouveau décor. Mais là, déjà, je me suis fait un petit coup un peu sympa. Voilà, avec GTV, tout plein de trucs. Un truc qui me ressemble. Voilà, donc ça me fait plaisir d'avoir fait ça. Écoutez, pour commencer. Ça n'a rien à voir, c'est pas de la série télévisée, voilà, mais c'était petit cadeau surprise, le 2 mois avec François Civil qui est vraiment fabuleux. Je conseille Petite Pépite, un film simple qui se prend pas la tête, qui parle justement de la dépression. Voilà, j'imagine que peut-être beaucoup de personnes peut-être ont déjà rencontré leur âme sœur, mais au final vont peut-être jamais se parler. Voilà, c'est un peu l'idée, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est quelque part, on est compatibles ensemble. Mais on ne se verra jamais. C'est vraiment l'idée du film. Et ça parle beaucoup aussi de la dépression. Je conseille vraiment déjà François Civil. Beaucoup, beaucoup trop chaud. Écoutez, on va commencer tout de suite sur le premier cadeau qu'on m'a offert. Le petit bouquin Lost, voilà, chaque mystère expliqué, de Didi Chandouidoui, voilà, du même nom au niveau de sa chaîne, mais sa chaîne secondaire, c'est Dharma Station 7. C'est la seule chaîne en France spécialisée sur Lost. Et là, il fait quelque chose d'assez vraiment bon, en tout cas, c'est qu'il va tout le long de la série, voilà, c'est en ordre, ça part de la saison 1 dans les premiers épisodes jusqu'à la saison 6, les derniers épisodes. Il va dire toutes les choses qu'on peut se poser comme question sur chaque épisode et essayer d'y répondre en y mettant les sources de quel épisode vous avez la réponse. Et je trouve ça extrêmement bien foutu, donc un gros plaisir. Je pourrais me le bouquiner tranquillement et pourquoi pas me le bouquiner en regardant la série, ça peut être extrêmement sympa. Je valide énormément du coup ce bouquin. Deuxième cadeau, El Camino, donc voilà le film qui clôture la série Breaking Bad. Breaking Bad, série exceptionnel qui est forcément dans mon top 3 de mes séries préférées. Better Call Saul, pareil, j'adore cette série-là, super ambiance. Et voilà, ça clôture extrêmement bien, je trouve, Breaking Bad. On y voit enfin les aventures de Jesse, comment ça se passe pour lui quand il se barre justement, voilà, quand il arrive à s'échapper de ses problèmes, je n'en dis pas plus. Et là, du coup, on connaît toute son épopée de savoir comment il va faire pour s'en sortir ou pas de ses malheurs. Excellentissime, j'aime beaucoup ce film-là, très content qu'il est sorti du coup en Blu-ray, ça fait plaisir, ça complète ma collection parce que j'ai un peu tout sur Breaking Bad, j'ai le bidon, j'ai les steelbooks à côté, j'ai Better Call Saul, les trois premières saisons, je crois qu'il me manque la 4, la 5, je crois qu'il y a 6 saisons du coup, voilà, quelques trucs à me choper, la saison 6 sort je crois cette année ou l'année prochaine. J'espère rapidement. Et pour clôturer, évidemment, la trilogie, les trois saisons de The Leftovers, donc la série complète du coup, par le même scénariste de Lost, Damon Lindelof, juste incroyable. Quand je l'ai regardé, j'étais complètement happé et du coup, je vais me le remater, ça c'est évident. Ce que j'aime beaucoup dans ce genre de série, c'est que dès le début, voilà, on le dit bien, en tout cas le scénariste le disait bien. On ne saura pas ce qui se passe à la fin. Voilà, on n'y aura pas de révélation par rapport à ce qui se passe au début. C'est juste qu'au début, il y a 3% ou 2%, je ne sais plus exactement, qui disparaissent sans explication de la planète. Et donc voilà, tu pars sur ce postulat de base que le monde va devenir avec ce qui vient de se passer. Et ça va être intéressant, ça laisse place à des sectes et tout, extrêmement intéressant. Je conseille, puisque à la fin, ça laisse place à l'interprétation. Est-ce vrai, est-ce faux? Vraiment intéressant. Et je conseille, c'est très rapide à regarder. Je crois que c'est 26 épisodes en tout. Franchement, vous perdrez pas de temps à regarder ça. La musique est fabuleuse.
C'est un petit bijou de série. Maintenant, elle, je pourrais carrément la mettre dans mon top 5 de mes séries préférées, tellement que j'ai adoré cette série-là. Écoutez, ça m'a fait plaisir du coup de vous faire ça. Maintenant, je vais vous présenter vite fait en room tour. Je vais prendre la caméra avec moi. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait mon arrière-plan, mes meubles de collection. J'ai fait un petit truc sympa. Je vous le montre là. J'ai pas envie de le faire dans une vidéo parce que je l'ai déjà fait accessoirement. Je l'associe juste avec un thème que je fais là. Voilà. Et puis voilà, les gars. On se dit à tout de suite. Bon, c'est parti. Voilà. Donc, j'ai refait un truc complètement complet. Je vous fais un peu hop. Le truc un peu en arrière, j'ai vraiment refait le truc au complet. Pour vous dire, là j'ai enlevé des meubles, là, vous voyez, j'ai fait des petits écartements sur les côtés. Bon, comme ça, je vous montre directement. J'ai rajouté un meuble ici, que j'en avais déjà un, et je me suis fait un coin Star Wars et super-héros juste après. Voilà, pour vous dire un peu ce que j'ai fait, plutôt sympa. Excusez-moi avec les reflets. Et j'ai enlevé quelques trucs quand même, manière d'épurer, j'ai pas eu trop trop le choix, j'ai dû faire des choix. Donc voilà, en haut c'est sur un petit peu coffret. Voilà, sympa, Jurassic Park, Mad Max. Voilà, vraiment, je vais vraiment, hein, je globalise. Hein. Voilà, je me suis fait un coin vendable que j'avais pas. Voilà, là en bas c'est du Blu-ray. J'essaie de mettre en présentation à chaque fois des titres que j'aime, des coffrets ou des steelbooks que j'aime beaucoup. Voilà. Mes trucs Planète des Singes, je les ai mis comme ça parce que j'aimais beaucoup l'idée. Je me suis remis du coup Mad Max en avant. Là voilà, j'ai un petit coin Breaking Bad avec les pops du coup de The Last of Us. Ça sera parfait avec mon coffret que vous avez vu. Du Stranger Things, la série télévisée Blu-ray en bas. Voilà, là-haut, on part du coup sur mes figurines Toy Story. Toy Story. Très 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 fier de ces figurines. Maintenant, je les ai un peu plus épurées sur deux étages. Et voilà, ça fait un peu plus joli du coup. Un petit coin SOS Fantôme. Voilà, oui, vous l'avez reconnu. Mike de Stranger Things en version SOS Fantôme. Je trouvais ça sympa de le mettre avec. Voilà, mon petit coin Lost que j'avais déjà. Voilà, je me le suis refait parce que Lost, deux cœurs. Voilà, retour à le futur. J'ai pris un étage un peu plus grand pour pouvoir mettre les choses un peu plus en avant et beaucoup plus sympa. Comme d'habitude, hein, la petite voiture, hein, qui fonctionne toujours. Ça fait toujours plaisir. Voilà, ça c'est mon petit coin que vous voyez souvent dans mon cadre du coup, avec mon petit appareil photo. Mais ça, l'appareil photo, je crois que vous ne le voyez pas trop. Donc peut-être à essayer de voir changer mon cadre. Voilà, mais en soi, avec le petit GTV, ça fait toujours plaisir de le mettre en avant, le petit Leonardo DiCaprio, parce que c'est mon acteur préféré. Et on est sur du Blu-ray en bas. Voilà, j'ai un peu moins de pop en tout cas, parce que vu que j'en ai côté super-héros, là ça m'a permis d'en mettre moins et que ça soit un peu plus épuré. Oui, parce que effectivement j'en avais un peu trop, donc là voilà, ça a mis un peu par parcimonie. Donc un petit coin Disney, vraiment sympa, ça me fait plaisir, j'en voulais un. Voilà, Harry Potter, Seigneur des Anneaux, et un petit coin Ghibli, j'ai pas beaucoup de choses, donc pour l'instant, je me suis fait un tout petit coin. Voilà, et là, voilà, là on part de A à Z pour tout ce qui est Blu-ray. A à Z, ça continuait du coup là ce que vous aviez vu. Voilà. Et après ça finissait là. Tout simplement. Voilà, et pour partir vraiment sur un truc plutôt sympa, je suis assez content. Voilà, allez me suivre sur Instagram. De toute façon, je mets des photos à chaque fois. J'essaie de faire des belles photos. Je présente ma collection, je présente mon chien, je présente un peu ma vie. Voilà, JTV. Voilà, JTV, je vous dis des bêtises. J photographie. De toute façon, je vous mettrai directement à chaque fois une photo de présentation. Pour que vous puissiez voir comment ça s'écrit et tout. Donc voilà, écoutez, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Et moi j'ai envie de vous dire, on se dit à très bientôt pour de prochains épisodes. Je ne saurais pas c'est quoi la semaine prochaine, là j'ai un peu trop d'avance là. Donc je sais pas, je réfléchis à essayer de voir si je fais une vidéo simple ou une vidéo un peu plus compliquée. On verra bien le temps si ça me le permet. Ciao les gars!